Nous sommes sur notre 10e anniversaire. Nous avons commencé petitement et puis peu à peu, nous sommes arrivés un petit peu au résultat d'aujourd'hui, avoir une grande scène, des artistes internationaux, des artistes nationaux très connus. Guitare al Day, c'est un moment fabuleux, mais ça ne peut pas exister sans vous, sans le public. Je m'appelle Bruno Michel Abati. Mes influences musicales viennent aussi de mes origines. Je suis né à Dakar. Je suis arrivé certes en France à l'âge de 1 an, mais la culture sénégalaise aussi faisait partie de ma vie. Et puis la culture occitane, puisque j'ai grandi à Nîmes. Comme une chanson qui danse et balance en tous sens dans la France ou au Brésil. Les mots qui me viennent sont dans la veine du sang qui se mêle et qui donne un enfant. Et aussi des reprises de Brassens à la manière brésilienne. J'avais amené Brassens dans cet univers, samba, bossa nova, afoché, samba reggae. Toutes ces couleurs qui, a priori, ne sont pas celles que Brassens avait dans sa musique. Et je sais que le public réagit souvent très très bien à ça, parce que à la fois la surprise, cette fraîcheur qui peut se dégager d'un seul coup de ces musiques que l'on connaissait avec sa couleur de Brassens, qui là prennent une autre essence, une autre voix, en quelque sorte. Les amoureux qui pécotent les pas publics, pas publics, pas publics, en se disant des je n'aime pas des ping-pong, des petites gueules de sympathie. Je connaissais le festival Guitare al Day, parce que c'est un festival de guitare, donc par réputation, entre guitaristes, on connaît les festivals qui existent. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir des gens qui se dévouent comme ça pour la musique, pour les artistes, c'est génial. Merci de l'accueil, merci du public, merci d'être aussi généreux envers les artistes. Rupert Urdeka, qui est donc un chanteur basque qui est là depuis une quarantaine d'années. Arracha Deon, Semous, ni Jean-Marinais, c'est Rupert Akin, Marinais et même, et Dayan, guitare al Day, on se pose que Naum, Suekin et Otea. Il est connu aussi pour faire des paroles vraiment sublissimes en basque. Combien t'as fait de disques en tout? T'en as fait combien? Tu te rappelles à peu près? T'as pas compté? Non. Depuis le début à peu près? Une vingtaine? Une vingtaine. Donc dans le milieu basquisan, on va dire que c'est quelqu'un qui a un crédit certain. Il a aussi au niveau populaire quand même quelques chansons qui sont quand même assez connues. Il a un super guitariste qui s'appelle Arkaitz. Arkaitz comment ? Miner. Arkaitz Miner, un guitariste qui joue avec toi depuis longtemps maintenant. Oui. C'est un grand plaisir, hein. La servate, hein. Il va à droite à gauche, il prend des risques un peu. Il a rencontré pas mal de gens, notamment à New York. Il a rencontré Ben Monder, qui est un guitariste de jazz contemporain. Il a fait 5 albums avec lui quand même. Je suis Frédéric Haribit, le président de l'association Guitare al Day. C'est une association qui existe autour d'un festival qui existe, lui, depuis 10 ans. C'est la 10e année, cette année, en fait, donc le 10e anniversaire.
Jean-Marie a eu l'idée, la gentillesse de m'appeler pour me proposer d'intégrer l'équipe qu'il dirige et qu'il anime comme ça. C'est lui qui est vraiment l'âme et le cœur de ce festival. J'aime lire à voix haute. Jean-Marie me fait le plaisir de m'accompagner. Est-ce qu'on peut avoir un plus grand accompagnateur que lui ? Il est encore tôt et nous avons la soirée devant nous, la nuit qui sait. Cette chaude nuit d'été qui s'annonce déjà dans l'agitation des planches de surf de l'afterwork, la sudation des premiers glaçons et l'auréole bleutée des chiens qui s'ébrouillent une dernière fois sur le sable. Mes romans sont systématiquement ancrés au Pays Basque. Il y a une coloration basque dans mes romans. On est dans un creuset linguistique qui est extrêmement intéressant ici, un croisement aussi, un carrefour d'énormément d'influences, de tensions et également d'attirances comme ça. Donc ça c'est intéressant et ça m'intéresse dans mon écriture. Comme évidemment, je m'intéresse également dans mon écriture à la dimension musicale. Quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, on écoutait les albums d'E-Toys, on essayait de reprendre et de repiquer les choruses de Jean-Marie. Moi j'étais un grand fan de Jean-Marie. Ça fait 10 ans que le festival existe. On a reçu des guitaristes prestigieux. Si Handaï pouvait devenir le carrefour de la guitare, ce serait un régal. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I said, it's all right. On a d'être au 9 juillet, quoi, putain. On va se déconfiner à mort. Moi j'entends rien là. Handaï, oh, vous parlez basque, français, mais est-ce que vous parlez anglais? Alors ça marche en basque parce que le texte c'est tu 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 tu. Je suis venue à Guitaralde la première fois en 2016. Je m'occupais de la régie générale du groupe de Michael Jones. Jean-Marie avait eu vent de mes compositions et de mon EP. Et donc il a dit bah, pourquoi on ne ferait pas jouer Marion sur le tremplin, les jeudis dans ville, dans Handaï. Et voilà, ça s'est fait comme ça, de la régie générale à l'artiste musicienne. Elle a déjà un espèce de osmose avec le public et il y a forcément une sympathie de ce public envers elle. Parce que il se passe quelque chose. Ouais, je peux pas expliquer, il se passe quelque chose. Passer la porte, le temps s'arrête, pas assez pourtant, car il l'emporte. Le public vient pour découvrir justement un artiste dont ils n'ont pas forcément entendu parler, pour se faire surprendre. L'accueil est très chaleureux. J'ai trouvé génial que l'ensemble des bars en fait se réunissent pour organiser ce genre d'événement. Pendant la pandémie, comme tous les musiciens, on s'embêtait un petit peu à la maison. J'ai un local chez ma maman, Anglette, et j'ai appelé les copains qui étaient un petit peu autour, et je savais quand même qui j'appelais. Hein. C'est des super musiciens, donc on a fait plusieurs sessions. Je leur ai dit, bah, écoutez, cet été, s'il y a des concerts, ça sera avec vous. Pascal Segal à la batterie, Laurent Chavoy à la contrebasse et à la basse électrique. Et le trio, en fait, j'ai appelé ça Iparaldé Trio, donc en référence à Guitaralde. Là, on a la chance que le camping d'un médecin, ça fait 2 ans qu'ils veulent vraiment faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'étais surpris du monde qui est venu au concert. C'était vraiment en plein. Alors là, super. Donc je pense qu'on est amené à faire d'autres choses dans ce lieu. Donc nous sommes à côté du château d'Abadie. Et il y a quelques années, quand j'avais visité le château, j'étais vraiment tombé en amour avec cette bâtisse. Ça m'a inspiré un morceau qui s'appelle Saspiakbat. Saspiakbat veut dire en basque donc quelque chose comme 7 égale 1, en référence aux 7 provinces basques égale un pays. Donc voilà, c'est un petit hommage à Antoine qui est à côté, si tu nous entends. Voilà, c'est pour toi, merci. Thank you.
certaines régions comme les Basques, les Bretons, les Corses, ce sont des régions à identité forte et c'est vrai qu'il y a un attachement particulier à la terre, c'est vrai. C'est un château qui se présente en trois ailes comme ça. Et pour moi, ces trois ailes, elles représentent un petit peu justement les critères pour la réussite d'un festival. 10 ans se sont écoulés et on peut dire que c'est une réussite. Et qu'il faut s'arrêter un instant pour dire quels sont les ingrédients effectivement pour la réussite d'un festival. Donc si je reprends ces trois ailes qui représentaient un petit peu la personnalité d'Antoine Dabadie, je partirai de la première aile qui est une aile dédiée un petit peu au voyage. Mais je crois qu'un festival, c'est avant tout une grande aventure, l'exploration, du courage dans un terrain inconnu. La deuxième aile, c'est une chapelle. C'est un homme rempli de convictions. Il faut vraiment croire en ce que l'on fait et savoir pourquoi on le fait. Et aussi convaincre, avoir cette force de persuasion parce qu'on a ces convictions profondes enracinées en nous-mêmes. La troisième aile, c'est celle de l'observatoire. Les étoiles, c'est pas simplement les artistes qui sont sur scène, qui brillent de mille feux. Mais c'est aussi tous les gens qui composent l'organisation du festival, parce que je suis persuadé que tout le monde a un talent merveilleux. Et là, la magie s'opère. Voilà ce que, pour moi, représente un festival, et je trouvais que cette image de ce château, eh bien, c'était la bonne pour mettre en évidence ces trois critères qui me semblent indispensables pour cette réussite. Francis Lassus, je suis batteur, chanteur, perturbateur aussi et répercussionniste. Ce soir, je joue avec un groupe qu'on a intitulé Lassus Trio, mais en fait, c'est un groupe inédit. C'est la première fois qu'on va jouer ensemble tous les trois. Je suis venu avec un bassiste remarquable qui s'appelle Julien Babou et avec un guitariste qui s'appelle Rémi Mouillerac. Certainement que l'invitation au Guitaraldé va donner lieu à une suite de ce trio. En tous les cas, je l'espère et je sais qu'on l'espère tous les trois. Ce sont deux artistes que je connais depuis un petit moment. Je les avais déjà invités pour le off du Guitaraldé il y a 4 ans déjà. Voici nos vies sont dans nos voix, que rien ne les déguise. Voici nos voix portent nos vies vers d'autres cœurs, comme des terres promises. Est-ce que ça va en deuil ? Hendaye is a very beautiful, very quaint town. It's beautiful. Cameras are ready. Il faut dire que Franck est vraiment venu pour nous filer un coup de main. Il a bien compris dans quelle urgence j'étais, me retrouver à 3 jours de l'échéance sans Mike Stern. Mike m'a dit ouais c'est super que ce soit Franck, c'est un mec, il joue terrible, en plus c'est un super mec, bon voilà, tout ça reste en famille on va dire. I'm ready. At least all. What we need now is a group. No. We start with this. No, you stop. Sometimes I like to be in the middle, but then there's no way to have this configuration. It doesn't matter.
Okay, I'm okay on this side. Okay, thank you. You're a gentleman. It makes it easier than... C'est surtout quand on voit le peu de temps qu'ils ont eu pour répéter, parce que en fait, ils ont fait le concert jeudi, ils ont répété mercredi. Moi, j'ai confirmé le concert à Franck dimanche soir. Je l'ai mis en contact avec les musiciens par mail dimanche soir. Il a envoyé les partitions et les MP3 lundi matin. Et les gars répétaient mercredi. Pas facile, parce que la musique de Franck, elle est très écrite. Il y a des unissons, il y a des harmonies, il y a une mise en place. It comes out to an A if you've got a G concert. Da-dee-da, da-dee-da. Okay. So let's try it one more time until we get it. Three. Oh, sorry, you counted three. Three, four, two, three, four. J'ai trouvé que c'était un concert comme si c'était un groupe qui était en tournée depuis 6 mois. Quoi. Franck était content aussi d'avoir eu une sacrée équipe comme ça autour de lui. Nicolas Vicaro, en ce moment même, jouait avec John McLaughlin. Adrien Ferro, ben, il a joué avec Chick Corea, avec John McLaughlin, avec Gino Vanelli, Blood, Sweat and Tears, et j'en passe, c'est des meilleurs. Avec Franck Danval aussi, il avait joué. Et puis Stéphane Guillaume aussi, un des meilleurs sax, si ce n'est le meilleur en France, et qui a joué aussi, entre autres, avec Peter Erskine, qui est un batteur américain très connu, bon, etc., etc. Et Franck m'a demandé de trouver un clavier. Donc en fait, j'ai pensé de suite à Camélia Benassor, avec laquelle je joue moi avec Billy Cobham. Comme je sais qu'elle lit très bien la musique aussi parce qu'elle a fait du classique, je savais que ça allait être à la perfection. Parce qu'elle lit, elle lit vite, elle lit bien, elle joue terrible, elle est sympa en plus. Festival and the concerts were fantastic. The people very friendly, and you know, it's all you can hope for. You know, the good hospitality, good food, fantastic. Il fait toujours beau. À Andaï. Toujours beau. D'accord. Tu surfes? Et on a hâte de jouer surtout. Je surfe avec tout. Il surfe sur les flèches bord. Je surfe sur les avec, blagues. Avec sa guitare. Sur les blagues pourries. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Guitar Aldé, happy birthday to you. Viens jouer avec moi en première partie de Thomas Dutronc. Wow. C'est juste entre potes, on va faire un truc, voilà. On peut pas lui dire non, c'est juste impossible. On va chauffer la salle en quelque sorte, ça va être ça l'idée. Il a fallu qu'il s'adapte à moi, mais moi, il faut que je m'adapte à lui. Yeah, hot and cold. Yes, it's true, it's kind of swampy, kind of voodoo. You can't escape it, it's so good, Louisiana. D'ailleurs, il y a même une chanson qu'il a écrite pour Claude Nougaro, avec un texte magnifique de Claude,
et j'ai fait une adaptation en anglais exclusivement pour Guitar Aldé. Let's go out, walking hand in hand, share a long-lasting love, only we understand. Et c'est une jolie histoire qui parle des choses simples. Et donc, moi, je l'ai appelé Simple Things. Simple things and the joy it brings. You and I, we can take to the sky, making love, getting high. Me and you, we can fly, 'cause our company is all that we need. Only the simple things, the joy brings. You and I, we can't take to the sky, 'cause our love is so strong. All we need, c'est un moment fabuleux. Dieu sait que ça mérite d'être encore plus gros pour que il y a plus de gens qui viennent et qu'il y a plus de gens qui peuvent participer à cette partage. Parce que c'est vraiment ça, c'est un partage fabuleux. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rockstar sans pétard, comme un corse sans pétard, et nanaman sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, mais j'ai plus none. Je tombe devant tout, comme t'es pas là, je n'existe pas. Sherlock sans salaud, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandat sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une poche de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Vagrant, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je m'y rends plus compte.